Bienvenue, bienvenue. Salut, salut. Bienvenue sur la chaîne Info et Astuces du Monde. Ok, dans cet après-midi, je vais vous montrer une astuce vous permettant de pouvoir ajouter un fond, une image sur votre fond d'écran WhatsApp. Donc, avant tout propos, avant de commencer la présentation de la vidéo, si vous n'êtes pas encore, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Aussi, si vous avez apprécié la vidéo, aimez la vidéo. Laissez-moi aussi un peu d'encouragement aussi. Donc, je vais vous présenter en question le WhatsApp qui vous permet de pouvoir mettre une image sur votre fond d'écran WhatsApp. Donc, pour cela, nous allons sur le navigateur Google Chrome. Oui. Donc, lorsque on va sur le navigateur Google Chrome, le navigateur Chrome, lorsque vous allez là-bas, vous mettez Go WhatsApp. Donc, c'est un autre type de WhatsApp. Quand vous avez ça, voilà. Donc, c'est ça qui vous permet de pouvoir ajouter une image à votre fond d'écran WhatsApp. Donc, lorsque vous allez installer ce WhatsApp que vous avez auparavant, dans le but de conserver votre nom. Voilà. Donc, après avoir fini de mettre ce lien va sortir. Donc, vous cliquez sur ce lien qui est là. Donc, après avoir fini le lien, donc, déjà, donc, quand ça va sortir, vous venez encore ici, à ce niveau, vous cliquez sur télécharger. Ouais, voilà, donc, vous cliquez sur télécharger pour télécharger en question le WhatsApp. Donc après de l'avoir fini de le télécharger, vous allez installer. Et après l'installation, donc c'est le WhatsApp sur votre téléphone. Donc après de l'avoir fini d'installer, vous sortez carrément. Ouais. Voilà. Donc je vais vous montrer le WhatsApp que j'ai sur mon téléphone. Donc ici, on voit ici à ce niveau ici de WhatsApp. Donc ici, voici mon ancien WhatsApp que j'ai sur le téléphone qui est là. Donc, le nouveau WhatsApp que j'ai téléchargé, c'est ce qui est tout juste à côté ici. Donc, c'est le logo qui est là. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour vous montrer comment faire pour mettre un fond d'écran sur, voilà, donc sur votre page, sur votre fond d'écran de WhatsApp. Donc, pour cela, je vais rentrer en question sur le WhatsApp en question. Donc, ici, je vais déverrouiller. Donc, après avoir fini de déverrouiller mon WhatsApp, ouais. Je vais m'entourer en question. Il y a trois points tout juste en haut ici. Donc, c'est là où vous allez rentrer. Vous appuyez sur les trois points vers le haut. Donc, après ça, le premier. Vous appuyez sur le premier. Ouais, voilà. Donc, après ça, universel. Ouais, à ce niveau ici. Voilà. Vous cliquez ici encore. Donc, je vais cliquer dessus. Après ça, le premier color. Vous appuyez dessus aussi. Donc, après avoir fini d'appuyer, appuyez sur Color, vous venez à ce niveau ici. Background. Donc, ici, vous appuyez là-bas. Donc, j'appuie à ce niveau. Maintenant, après ça, vous choisissez Photo. Donc, vous voyez, ça vous ramène directement à votre galerie. Donc, arrivé au niveau de la galerie, vous voyez, il y a les différentes photos qui sortent. Donc, vous êtes libre de choisir la photo que vous voulez. Donc, moi, je vais. Pour la photo de celle-ci. Voilà, donc je l'ai déjà utilisé. Ouais. Voilà. Donc je vais maintenant définir la photo. Donc je vais carrément sortir. Voilà, donc je repars encore. Voilà, donc ici, je fais retour. Un retour encore. Ouais. Voilà. Donc ici, voici un peu. Voilà, voici un peu l'image que j'ai sur le fond d'écran de WhatsApp. Ouais. Donc, plus de ça, bon, je suppose que vous voulez encore un fond d'écran tout juste en bas. Ouais. Moi, mais j'ai ajouté un fond d'écran en bas. Donc, ça fait deux fonds d'écran que vous avez ajoutés. Un fond d'écran sur votre
fond d'écran, voilà, une image sur votre fond d'écran WhatsApp et aussi une image sur votre fond d'écran lorsque vous écrivez un message pour envoyer à votre ami. Donc, c'est ça, j'ai voulu vous présenter dans cet après-midi, cette petite astuce pour que vous puissiez voilà, bénéficier de ça, pour que vous puissiez aussi l'utiliser. Donc, merci pour votre attention et bye bye.